Oh non, basta. Je vous rappelle, on est des thugs, nous. Qu'est-ce que c'est que ça, Enderman? Je te savate. Je te savate. Je te savate. Voilà. Est-ce qu'il m'a drop une perle? Oui, excellent. Comme ça, ça nous rapproche un petit peu de The End, de notre petit dragon. Il nous faudra des perles si on veut un jour aller lui casser la gueule. Oh putain, il y a du zombie. Fight contre les zombies au clair de lune. J'espère que je suis pas trop en train de faire une connerie là, les gens. J'avoue, j'ai peur de me faire exploser dans le dos et perdre ma sauvegarde. Voilà, je vous rappelle, on n'a pas le droit, juste pas le droit de mourir. On meurt, c'est fini. On rentre chez mémé. Ah non, je vais m'enterrer, je pense. C'est trop risqué. Trop risqué, il n'y a pas forcément de besoin, quoi, en gros, d'aller me battre là la nuit. Trop dangereux. Même si je m'en suis bien sorti. Bon, allez, on va voir. Allez, on va voir, on va voir. Sans que vous en avez envie. Mais oui, Cocodette. Oh, putain, il n'y a toujours rien en vue, mais c'est pas vrai. Nom de merde. Ouais, le premier qui voit une espèce de grande tour en dirt ou en cobble qui crie. C'est que ça doit être par là. Oui, allez, mouf mouf. À manger. Prendre le stock de bouffe que j'aurais consommé, quoi. Tout ça pour au final ramener une seule enderpearl. Enfin, dans les trucs un petit peu utiles. C'est une enderpearl? Oui, c'est ça. Un loup? Est-ce que j'ai des nonos? J'ai un nonos. Piti piti piti. Piti piti. Tu veux être mon copain? Allez. J'ai qu'un os. Faut que tu sois gentil. Oh, 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 viens là. Viens là, on a un chalbat. Et voilà, on n'a pas tout perdu. Est-ce qu'on peut se faire une armée de chalbat? Ah putain, toi va te pendre. Le sang de tes morts, le Joe. Bon, on a un copain. Attendez, il y a un squelette qui se fait savater là-bas. Et qui dit squelette, dit os. Et qui dit os, dit peut-être loulou. Ah, mais il l'a savaté déjà. Tu l'as taloché, copain? Non, je crois que t'as taloché un zombie, mais plus squelette. Oh, putain. Oh, son père la chauve. Ouh. Ouh, c'était tendu, ça. Au moins, il y a plein de loups ici. On a un petit peu en sécurité, je pense. Une araignée buggée. J'aimerais bien avoir un peu d'os en plus. Bon, c'est pas grave, on a un loulou. Putain, il y en a partout. Nom de merde. Ouais, vous avez raison, les poules, mettez-vous dans les arbres. Plus, c'est plus sécure. On bouffait sinon. On a un copain, allez, viens, copain. T'es à moi. Y'a rien. Putain, mais y'en a combien? Ah les gars, on a fait un nouveau biome, y'a quoi? Des loups. Que des loups. Que ça, quoi. Y'a des moutes-moutes quand même. Mais... Et d'ailleurs, la lune, est-ce qu'on l'a retrouvée? Qui elle est censée être là, semblerait. Vu les lumières. Ah, par contre, on commence à être en hauteur, ça c'est cool. Alors. Est-ce qu'on voit un gros pénis en dirt? On n'est pas rentré. On n'est juste pas rentré du tout. Toi, ma grosse, je suis désolé. On commence à avoir faim. Ah, d'accord, j'ai un peine de... D'accord. Voilà, désolé. Je sais, il faudrait les élever, mais j'ai pas le temps, là. Chose à foutre.
Faudrait faire cuire ça aussi, mais j'ai pas le temps. Voilà. Allez, on y retourne. Bon. Alors. Bon, t'es bugué. Est-ce que ça pourrait être par là qu'on a posé la maison? Aïe. Franchement, ça me dit rien cet endroit. J'ai jamais vu, je crois. Il aurait fait du bobo celui-là. Ils auraient pas tué, mais il aurait fait du bobo. Ah. Dis, loulou, si tu veux m'aider. Pire sans, tu restes derrière et tu sers à rien. Ah bah oui, il s'est perdu. Bon, on partait pour un cheval, on se ramène un loup. Ça aurait pu être pire, ça aurait pu être mieux. Pas un creeper juste sous l'arbre. Putain, là, il y a du monde. Oh, bordel, la couille. Mourir. Meurs, 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 meurs. Meurs, où il est? Il est là. Attaque! À l'attaque! Oula. Viens là, madafaka. Voilà, meurs. Bon. Assaut! Bon, ok. Ok, ok. On sait se battre, c'est déjà ça. Souviens un peu comment il faut faire. Allez! Oh putain. Barrez-vous, camp de mime! Il m'a défoncé, lui. Ça fait un petit peu d'XP. Ouf, on commence à brûler. Viens, soleil. Aïe. Voilà. Et on se casse. On se casse. Bon, la vidéo va être tellement trop longue. Je m'en excuse. Mais bon, voilà, au moins ça vous fera un bon retour sur Minecraft. Allez, hop, hop. On va bien retrouver la maison, quoi. Peut-être qu'on se rapproche. Ça me fait penser vraiment au biome qu'on a autour de chez nous. Allez, et là, c'est peut-être juste à gauche. Juste là. Allez! Merde! Putain, mais elle est où la maison? Et là, on voit pas un gros pénis en dirt? Prendre mon loup. Je sais pas s'il a pas passé, s'il a réussi à passer la nuit ou. Qu'est-ce qu'il fait, ce con? Je pense qu'il a dû y rester. Je suis très déçu. Putain, si on a même plus le loup, alors ça va vraiment servir à rien, quoi. Ça a vraiment été l'opération de merde, quoi. Putain, on a paumé la maison, paumé le loup, pas trouvé de cheval, tout va bien. Bon, à partir par là. Hein. À partir par là, qui sait? Putain, mais non, le loup, quoi. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Des citrouilles, ouais, exactement ce que je voulais. Merci, le jeu. Je suis content.
Non, on n'est pas reparti trop loin. Genre, nous, on n'est pas au milieu d'une grosse clairière comme ça. Non? Si? Non? Il n'y a pas des chevaux ici? Si on rentrait plus vite? Ah? J'ai de plus en plus pensé quand même au coin de la maison, tout ça. Dommage que les chunks ne chargent pas plus vite. Et voilà la maison qui apparaît d'un coup, genre. Voilà une maison! Peut-être pas du tout en fait. Avec la niveau vision, c'est un peu la merde. Sors de là! Ouais, non, ça c'est pas la maison ça. Est-ce que je peux encore sprinter? Semblerait. Voilà. C'est pas la maison, ou alors sinon, je suis jamais venu là. Peut-être qu'on s'en rapproche quand même. Peut-être pas loin. Il me tarde de retrouver Jean-Michel Pouca. Quand ça me manquait, ce con. Putain, toujours plus de bouffe. Faut que j'arrête de sprinter, mais bon, sinon c'est trop long, quoi. Bon, les gens, on va se faire une petite ellipse. Dès qu'on trouve quelque chose, on se retrouvera. À de suite. Allez, re les gros. Bon, on a toujours rien trouvé de vraiment intéressant. C'est la nuit, il fait pas beau. Mais par contre, enfin, on a rien trouvé d'intéressant. Non, on a rien trouvé d'intéressant, honnêtement. Mais je viens de passer un biome neige-montagne, quoi. J'atterris sur une petite forêt. Je me demande si c'est pas justement ce qu'il y avait juste au tout début de l'exploration. Donc, on va bien voir. Et de toute façon, voilà, on va traverser ce biome là, si au bout on n'atterrit pas vers la maison, dans ce cas là je ferai une ellipse, j'irai chercher les coordonnées et on rentrera hors caméra à pied avec les coordonnées. J'avoue que là par contre cette grosse rivière lac là ça me dit rien, enfin ça me parle pas du tout, j'ai aucune idée de l'endroit où on est en fait. Ouais, je pense vraiment qu'on est paumé là, honnêtement, et sans les coordonnées on rentrera jamais. Voilà. Sans les coordonnées, ouais, je pense pas qu'on va s'en sortir. Autant d'eau, ça me dit rien, quoi, dans cette forêt. Vous me faisiez la même sans la flotte, là. Pourquoi pas, on était peut-être pas loin, mais là. Ça me dit rien. Bon, on va voir. On va voir, on traverse ça. Peut-être qu'après, il va y avoir un truc qui va apparaître, genre un gros pénis en cobble, voilà, comme je le disais tout à l'heure. Désolé, je sais, vous y voyez rien. Voilà, allez, en avant. Voilà. Oh putain, là y en a trop. Je me casse. Et j'ai pas croisé de chevaux, hein, faut pas déconner. Alors soit ils ont été supprimés, je sais pas. Ou ils sont buggés, ou c'est des biomes spéciaux, mais... Rien croisé. Il me semble, oui, quand même, c'est en plaine. J'ai pas vu des masses de plaine, c'est vrai. Oh putain. Cassez-vous. J'ai jamais vu ça, moi. Je pense qu'on doit être à des kilomètres. On a dû passer à côté, tracer tout droit devant, quoi, en gros. Et en derrière ça, il y a quoi? Encore de la neige? Pff, ouais, non, on n'est pas du tout au bon endroit. On est carrément pas au bon endroit. Bon, bah, je vais m'enterrer. Je vais mettre pause. Je vais chercher les coordonnées. Et on se retrouvera... Dès que possible, je pense. Ouais. Allez, à toutes. Re les copains, petite pause pendant le retour à la maison. Alors, j'ai trouvé les coordonnées, vous les voyez. Donc, il y a X, Y, Z là, sur le deuxième bloc. X, on est à moins 292. La maison est vers moins 190. Donc, honnêtement, on n'était pas très loin. Le deuxième, c'est l'altitude. Putain, il y a des chevaux. Oh putain! Pardon, le deuxième c'est l'altitude, donc on s'en fout. Le troisième c'est celui qui nous importe. La maison est à 295, je suis à 3294. En bref, j'ai fait 3 km de trop. C'est dire à quel point je suis allé loin.
et à quel point je cherchais. Et on a trouvé un village. Il y a des chevaux. Oh, il y a des carottes. Plein de carottes. Il y a plein de carottes pour moi. Oh. On va tout piller. Tout piller, tout saccager. Allez, c'est parti. On dévalise le village. Allez, en avant. Là-dedans, qu'est-ce qu'on a? Rien. Putain, depuis le temps que j'ai pas vu de villageois dans ce jeu, on tombe dessus complètement par hasard. Une cerne, putain. Mais descend. Bon. On tombe dessus juste complètement par hasard. Alors. Salut toi. Zombie brain pour émeraude. Ouais, j'ai pas. vous voulez pas me demander des trucs que j'ai déjà, enfin que je peux vous donner? Cuir, j'ai pas. Pardon, vos gueules, les gars. Oh. Oui, non, tu te tais. Oui, tu te tais. Qu'est-ce qu'on a là? Obsidienne, excellent. De la bouffe, du pain, tout va bien. Glouc, glouc. Putain, c'est à peine mieux que les Sims, ça, quand même, leur dialogue. Mais oui, Polo Puello, toi aussi. Bon. Oui, tu te fais troller, mon pauvre. Tu t'es fait piner. Faut pas se laisser faire. Arrêtons le bizutage. Des patates. Je veux. Donnez-moi à manger. Nourrissez-moi. Bonjour. Bonjour chez vous, je viens vous dévaliser. Oui, tu te tais. Tu racontes quoi? Rien. Est-ce qu'on a tout dévalisé? Ouais, il semblerait. Donc hop. Ok. Excellent. Et du coup, on a même des petits chevaux. Alors, on en choisit un. Putain, enfin, on s'en sort, quoi. Fouah. On va prendre celui-là. La selle. Boop. Tu te calmes. Peut-être pas faire comme ça en fait. Je te donne des carottes. Nom de merde. Qu'est-ce que je dois lui faire à ce type? Non, lui il veut pas. Toi tu voudras. Tous les coups il me faut une laisse d'abord. Mais fais chiate quoi, attendez, j'arrive. Alors on va voir si la pomme ça marche toujours. Il a l'air content. Et si je te le mets une selle pendant que t'es content? Non, t'es plus content. Putain, mais vas-y, la tombe. Ah! Tu vas me laisser. Te débat plus, je suis ton maître. Je suis ton maître, je te dis. Ton maître. Putain, mais laisse-moi être ton maître. Voilà, tu m'aimes. Alors, petite merde. Et boum. Allez. T'es bugué? Comment on le fait marcher, ce con? Non mais gros. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est le fait d'avoir une armure qui te perturbe ou comment ça se passe? Hey nigga. Pardon. Si je récupère ça. Non mais... c'est une blague! C'est une blague! Je te demande de me suivre! Oh, j'ai pas de sel, j'ai le sel à la maison. Oh non. Oh putain, non. Me dis pas qu'il fallait les deux.
Putain! Pas vrai. Pourquoi? Mais pourquoi? Mais non, putain. Ah, non, ça existe plus. C'est celle où j'ai été supprimé. Ah putain, vas-y! Bon, bah d'accord, faudra qu'on revienne. Hein. Chier. Pas que j'amène une selle en plus et j'ai oublié d'amener une selle. Je pensais que ça servait pas. Bon. Ben voilà qui était l'expédition cheval la plus foireuse de tous les temps. On va. Merde, putain, de. On va du coup rentrer à la maison, on a dit. Donc je dois être en X. Moins. Attendez, on va reprendre. Voilà une photo. Putain, c'est là qu'il y a les chevaux, voilà. Je dois être donc en X. Moins. 190, ok, on y est. Et maintenant c'est tout droit. Maintenant, normalement, voilà, c'est par là. Et on est parti pour 3 km. Donc, les gens, petite ellipse, on va pas se faire 3 km ensemble. À deux. Et re, les gens, on se retrouve. On est en train de se rapprocher donc de la maison. Et je viens de tomber sur un autre village de PNJ, quoi, du coup, d'habitants, au bord de l'eau en plus. Et qui est vraiment pas loin de chez nous, je me rends compte. On est à peu près à 600 blocs de distance. C'est pas loin du tout. Donc, je vais garder les coordonnées. Et on reviendra par ici. Alors, on reviendra ici dès qu'on pourra, dès qu'on aura de quoi. Faire, enfin attendez, est-ce que ce sera utile de revenir en fait? Oula, par contre, putain, il a spawn à moitié au milieu du vide. Même franchement, dans le vide. Salut. Bon, salut. Nul. Putain, mais vous êtes sérieux les gars, habiter les pieds dans le vide? Mais vous êtes sérieux? Alors, voyons, on va prendre de la bouse. On va faire hop, 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 voilà. Ici, y a quoi? Biblio, je veux. C'est à moi. Bon, je coupe pas plus vite que ça. Oh putain, je récupère que les livres. Chier. Hop, allez, donne-moi tout ça. Ça permettra d'enchanter les armes un peu plus tard. Je crois que j'ai pas trop les prendre, j'ai plus de place. On va en faire de la place. Ah. Là. Allez, donnez-moi tout ça. Salut le vieux. Toi, c'est de la merde aussi ce que tu proposes. Donc, non merci. Continuez à dévaliser tout ça. Voyons, est-ce qu'il y a quelque chose d'utile? Bonjour toi, rien. Ici, il n'y a rien. Là où il n'y a rien. Non, mais vous avez pas de coffre, les copains? Ouais. Allez. Loup. Vous avez rien d'un petit peu utile? Sinon, je ne sois pas venu pour rien. Normalement, il y a bien une maison avec un coffre, non? Bon, écoutez, peut-être pas. Finalement, c'est un village qui ne servira à rien. C'est pas grave. C'est pas grave, au moins c'était mignon. Donc voilà, c'était le petit village de PNJ qui ne sert à rien. Et on va du coup continuer à rentrer. Normalement, on est au bout de cette plaine, si je me souviens bien. Et si je me suis pas trompé dans mes coordonnées. Par contre, comme d'habitude, j'ai putain de faim. Putain, j'ai la bouffe que j'ai consommée, mais c'est impressionnant. Allez, empoisonné. Putain. Hop. Et hop. Ramasse. Et on trace. Allez. Donc ouais, normalement, on est bon sur le moins je sais pas combien là. Je veux plus par là quand même. Là on est bon, on n'est pas bon par contre sur l'autre, le 730, il est pas bon. Il devrait être à 290 si je me souviens bien. Allez, hop, hop. On devrait pas trop traîner à y être. Et comme ça, on pourra mettre fin à cette vidéo. Allez, regardez ce que je viens de trouver. Ça y est, enfin, j'ai fait juste une petite coupure de quelques secondes pour gagner un peu de temps sur la vidéo qui sera déjà assez longue comme ça. Ouh. Putain, ça aurait été laborieux. Et voilà, on rentre en fin de cette exploration, expédition. Nom de Dieu que ça aurait été compliqué, nom de Dieu que ça aurait été difficile. Mais au moins, on est enfin rentré, on a réussi. On est de retour à la maison, juste à la nuit. Pff, c'est déjà ça, je sais pas si Jean-Michel Pouca est par là. Ah, je crois qu'il est là. Oh putain, non, pas du tout. Oula, ne me savate pas. Voilà. Ok. Eh ben écoutez, on va se bouffer du pain, parce que là, je commence à manquer de vivre. J'aurais bien voulu retrouver mon golem. Où il est ce con?
Je sais pas s'il se barre toujours à l'autre bout du monde ou s'il reste pas trop loin. Ah, il est là, mon gros. Salut, poulet. Allez, continue de défendre la baraque. C'est bien, on ne s'est pas fait voler, je crois, pendant que j'étais pas là. T'as fait du beau boulot. Bon, voilà, on va bouffer un petit peu et après... Après, voilà, on va tuer ça. Voilà, merci de défoncer mon terrain. C'est plaisir. Bon, on va réparer tout ça quand même. On va pas laisser ça comme ça, c'est pas beau. Hop, 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 hop. Voilà. Hop. Plus de dirt? Tu... Sauvé. Hop, 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 hop. Voilà. Pas vu, pas pris. Excellent. Bon, j'ai faim. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Ça, on prend. Ça, on pose. On va tout casser, tout planter. Voilà, tout casser. Hop. Même ce qui ne sert à rien. Flemme de trier. Voilà, allez. Clac, 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 clac. Clac, clac, clac. Tout, je crois que j'en ai eu que 20. Putain, c'est nul. C'est nul pourri. Voilà, on est au chaud. Putain, ça aurait pas été facile aujourd'hui. Mais, encore une fois, on rentre sain et sauf à la maison. C'est l'essentiel sur cette aventure hardcore. Là, voilà, l'objectif étant de se préparer à... aller affronter le dragon. Bon, pas de suite, hein, mais ça va être voilà, l'objectif final. Si on y arrive, ça serait quand même... Je vais pas dire un exploit, mais pas loin quand même. Pas loin, pas loin. Alors, ça, voilà, ça dégage. Et je suis bugué dans le mur. Non, c'est bon. Voilà, alors. Ce bordel. Enfin, je passe un peu de temps à ranger. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Voilà, et toi, tu restes là pour l'instant. On va manger, on va régène, on va dormir. Et ça sera la fin de cet épisode qui aura été interminable. Il aura été juste interminable. Allez, c'est parti. Oula, petit coup de micro. Hop. Oula, on ressort. On va profiter du lever de soleil tous ensemble. Putain. Voilà les gens, sur ce, j'espère que cette petite vidéo... vous aura plu, c'était Armantio, c'était du Minecraft, ça faisait longtemps, et on se dit à très vite pour d'autres vidéos, notamment sur Minecraft. Gros bisous à tous sur les fesses comme d'habitude, allez, ciao.